On aimerait avoir un petit mot par rapport à votre participation au 5e symposium de la fibre optique. Mais très volontiers. Je peux peut-être sans doute présenter un peu qui est Sofrecom. Donc, Sofrecom, c'est une filiale du groupe Orange et qui sert pour Orange à faire le développement international, en tout cas accompagner les opérateurs Orange et hors Orange aussi, dans les pays où Orange n'est pas présent, où on accompagne ces opérateurs. Et donc, bien évidemment, on a des compétences dans le domaine du réseau et particulièrement les réseaux mobiles, qui n'est pas le sujet aujourd'hui, mais les sujets aussi de réseaux fixes, anciennement les réseaux cuivre, et aujourd'hui les réseaux FTTH sur lesquels on a une compétence très forte. Aujourd'hui, nous avons assisté à la signature d'une convention pour la formation des profils dans le domaine de la fibre optique. Quel rôle pourraient jouer ces ressources dans le développement des activités de Sofrecom ? On recrute énormément. Sofrecom au Maroc est une société qui a recruté quasiment tous les mois une vingtaine d'ingénieurs. Donc on a vraiment besoin d'ingénieurs. Alors, Sofrecom est plutôt dans la partie ingénierie, donc on recrute très naturellement des ingénieurs. Souvent on recrute des ingénieurs qui ont déjà une expérience professionnelle, parce qu'effectivement les besoins de nos clients, c'est souvent des besoins d'un niveau qui requiert un peu de seniorité, donc par exemple 2 ans, 3 ans, 5 ans d'expérience professionnelle. Il nous arrive de recruter aussi des sorties d'école après des stages, par exemple, qui viennent nous rejoindre et pour lesquels on assure une bonne partie de la formation. Donc le Maroc joue aujourd'hui un rôle de hub pour le continent. Quel rôle pourrait jouer Sofrecom dans ce sens pour notamment l'externalisation des activités, aller vers l'Afrique ? On le fait déjà massivement, nous, dans le domaine de l'informatique. C'est de là, d'ailleurs, qu'on est parti. On a aujourd'hui près de 500 ingénieurs qui font du développement informatique pour la France, mais aussi pour un certain nombre de pays africains. Pour donner un exemple en termes de développement, un produit qui s'appelle Nomad, qui permet de vendre des cartes SIM en Afrique à partir simplement d'un mobile. Ça existe aussi au Maroc, bien sûr. Sur ce modèle-là, assez naturellement, on s'est dit quelles sont les activités réseau qui peuvent se faire au Maroc sur le domaine de la FTTH et qui pourraient intéresser l'Europe, le Maroc bien sûr, l'Afrique du Nord et puis l'Afrique de façon plus générale. C'est bien évidemment pas les activités de chez les civils, parce que ça, c'est des activités très liées au territoire, qui sont faites avec des ouvriers sur place ou des ingénieurs ou des techniciens sur place. Donc le génie civil, c'est vraiment une activité très locale. En revanche, les bureaux d'ingénierie ou l'accompagnement de projets ou de façon générale tout le consulting qui a lieu, que ce soit en amont ou pendant les phases de développement ou en aval des réseaux FTTH, censés le faire, on sait développer ces compétences au Maroc. C'est une vraie richesse pour le Maroc, bien sûr, on y participe.